concert que vous irez voir samedi 17 à la Philharmonie de Paris qui s'appelle Oiseau de Feu et qui est un concert qui vous sera joué, interprété par l'orchestre Pas de Loup et dirigé par Elena, je l'ai noté ici, Elena Schwartz, donc une femme chef d'orchestre. C'est pas tous les jours. Voilà. Donc tout un programme autour des oiseaux et de la nature. Bon, là depuis tout à l'heure, vous avez entendu, on est entouré, accompagné d'oiseaux. On sait que c'était un grand passionné d'oiseaux, il s'appelle Olivier Messiaen. C'est un compositeur français qui est né en 1908 et mort en 1992, donc il a vécu tout le 20e. Et lui, il se présente, vous voyez, ça c'est sa carte de visite. Et il se présente comme compositeur de musique, ornithologue, donc vraiment c'est le scientifique spécialiste des oiseaux, et hérité un morceau qui s'appelle La Griffe musicienne. Donc la griffe, c'est un petit oiseau que vous avez juste ici. Et lui, voici ce que la griffe sonne pour lui. Mais Messiaen a influencé beaucoup d'autres compositeurs qui vont aussi s'inspirer sur l'écoute, sur les oiseaux, l'écoute des oiseaux, et essayer de s'inspirer, de créer le son des oiseaux sur leurs partitions, sur leurs écritures de musique. Donc ce compositeur-là, alors vous m'excuserez parce que je ne sais absolument pas comment prononcer son nom, mais je vais vous dire une chose, c'est un compositeur finlandais, il est né à Helsinki. On n'entend pas très bien à l'enregistrement parce que c'est quelque chose qui s'écoute pour de vrai, là, vous verrez bien. Au départ, on a une espèce d'un petit vrombissement, un petit frottement. Ensuite, on a pi, pam, pam, pam. Voilà, en fait, c'est trois petites notes de musique. Très simple. Un bruit de vent. Un éoliphone, ça s'appelle. La machine qui fait le bruit de vent. C'est pas souvent qu'on voit ça en orchestre, mais aujourd'hui on a une boîte à tonnerre, mais ça ira très bien. Et ensuite, bibibibibapépam, c'est les mêmes notes, sauf que ça va beaucoup plus vite. Tigididididing. Avec des sons qui scintillent un peu, des sons de cloche. Voilà, c'est le petit vélo. Est-ce qu'il y en a qui veulent faire. Ça marche tout seul, on le refait une fois, bravo. Et vous êtes très très sensible parce que vous l'avez joué carrément. C'est super. Donc on peut refaire la même chose, on s'en fait faire comme ça. On essaie plus vite. 1, 2, 3.